les Diwan et Babunda. On va éviter tout ça. Nous venons d'être reçus par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa parce que nous, comité d'organisation de la marche du FCC, nous lui avons adressé notre demande de marcher demain, le 14. Il nous a réunis autour d'une même table avec ses services de sécurité. Et il nous a communiqué sa décision de ne pas nous laisser marcher. La cause qu'il a évoquée, c'est l'état d'urgence. Nous sommes dans l'état d'urgence. Il ne peut pas autoriser la marche à cause de la Covid. Et à notre niveau, nous allons aussi informer la base qui nous attend. Mais nous lui avons fait voir que les mouvements citoyens ont marché, l'UDPS a marché, la MUCA venait de marcher. Il est aussi de notre droit de marcher et d'être encadré par la police comme ils l'ont fait avec les autres. Et donc pour l'instant, nous pouvons comprendre que l'autorité de la ville a eu à faire face à la prise en charge des services de sécurité pour ces marches récurrentes. Et que probablement pour le FCC, nous pouvons décaler la marche, mais elle aura lieu. Donc vous serez informés après notre communication avec la base. Bien, c'est notre droit de marcher. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avons informé l'autorité de la ville. Eh bien, pour ce qui est de marcher, nous marcherons. Mais le jour vous sera communiqué, après échange avec la base. Nous marchons pour le respect, notre soutien aux institutions de la République. Vous savez que ceux qui marchent, ils ne respectent pas les institutions de la République, même les lois de ce pays, ils ont marché contre les décisions légalement prises par les instances compétentes. Mais nous allons marcher pour soutenir les institutions de la République. Voilà le but de notre marche.